Bonjour et bon samedi à tout le monde, bonne fin de semaine. Comme je l'ai toujours dit, quand tu sais, quand tu es conscient qu'un combat est inévitable, il est mieux d'attaquer le premier. Nous, jusqu'à présent, nous avons toujours joué sur la défensive. On attend que ces minables-là, ces entités démoniaques nous attaquent et nous réagissons. Donc, ils ont toujours un pas en avant sur nous. Là, je m'adresse directement à l'élite française, à l'élite américaine, au département d'État français et américain. Vous devez comprendre une chose, que ce que vous avez fait dans le passé aux peuples africains, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Et si vous continuez avec vos menaces envers le peuple africain, nous allons réagir et notre réaction va vous dépasser. Vous menacez les dirigeants maliens, vous menacez les dirigeants du Niger, vous menacez les dirigeants burkinabés. Vous allez faire partie de vos ONG du Niger, mais c'est nous les premiers à vous dire, foutez le camp avec votre armée et vos ONG. Nous ne le voulons plus sur le sol africain. Nous ne le voulons plus sur le sol africain. Vos ONG, là, nous savons tous que ce sont des instruments qui vous servent dans votre... Dans vos plans machiavéliques, diaboliques contre tous les peuples du monde, à commencer par nous les Africains. Donc vos ONG là, qui dégagent de l'Afrique, on n'a pas besoin d'eux. Nous sommes en train de tisser des relations bilatérales avec d'autres États, avec d'autres pays, avec d'autres pouvoirs, qu'ensemble nous pourrons tenter de construire un monde nouveau, un monde juste. Mais ce monde démoniaque, diabolique, criminel, violent que vous avez mis sur pied depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui, là, c'est terminé. Donc toutes les déclarations du département d'État américain, nous, ça nous fait, on s'en fiche pas mal. Et je vous préviens, écoutez, je sais que vous m'écoutez tous, du fin fond des bureaux de la CIA, de l'MI6 et de la DGS. Si vous tentez une opération militaire sur notre sol, l'Afrique nous appartient. Si vous tentez une opération militaire sur notre sol, nous allons fermer toutes vos ambassades. Ça, je vous le dis. L'Afrique nous appartient. Vous n'êtes pas propriétaire de notre terre. Quand vous êtes allé aux États-Unis, en Amérique, exterminer les Amérindiens et dire que c'est votre terre. Chez nous, en Afrique, aujourd'hui, au 21e siècle, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et les déclarations du gouvernement français sur les mines d'uranium, là, c'est des bêtises. Ces mines-là, vous allez les quitter. Vous allez les quitter, sinon ça sera une guerre ouverte entre tout le peuple d'Afrique et vous, cette maudite élite française. C'est quoi ça? Vous allez être chez nous, ramasser nos matières premières, hein? Nous piller, nous tenir dans la misère et faire vos bêtises de Fonds monétaire international, Banque mondiale. Ça fait combien de milliers, de milliards que depuis 1960, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes vos banques d'usuriers là, font semblant de déverser sur l'Afrique. Où sont les résultats? Donc ça veut dire que c'est nous qui sommes des idiots, on nous donne de l'argent, on n'est pas capable de faire quelque chose. Vous avez refusé le transport des technologies sur le sol africain. Et ce n'est même pas caché, c'est écrit partout. Les gens à l'intérieur de votre système le disent. Les hommes honnêtes en Occident le disent. Nous avons lu le pacte de l'impérialisme. Nous savons ce qui est écrit dedans. Et c'est ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui en Afrique. L'Afrique ne vous appartient pas. L'homme noir n'est pas votre esclave. Vous n'avez aucun droit, aucune légitimité de nous imposer une vision de la vie qui ne nous intéresse pas, une cosmogonie qui n'est pas la nôtre. Ça, c'est le dernier avertissement que je vous donne. Vous, pouvoir américain, vous, pouvoir français, vous, pouvoir anglais, toutes ces maudites élites pédosatanistes occidentales, il faut que vous compreniez que ce que vous avez fait en Afrique dans le passé n'est plus possible. Réveillez-vous parce que vous êtes resté dans le passé. Le monde est parti, vous êtes resté en arrière. Vous savez, on peut dominer un peuple qui ne comprend pas, un peuple qui ne sait pas la vérité. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas un seul Africain qui ne sait pas ce que vous êtes. À la jeunesse africaine, très souvent vous m'écrivez pour me dire « Non, parle avec le capitaine Ibé, parle avec le colonel Koïta. » Je n'ai pas besoin de parler avec eux. Je n'ai pas parlé avec Ibé,
Mais j'ai écouté son discours hier en Russie. J'ai été émotionné. Les dirigeants africains savent quelles sont les aspirations du peuple africain. Les dirigeants africains savent ce que le peuple africain veut. Donc celui qui veut travailler pour le peuple africain, il n'a pas besoin de parler avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Il sait quel est son devoir. Ces gens-là ont transformé l'Afrique en un camp de réfugiés à échelle continentale, un camp de concentration. Et je répète, ceux que vous appelez présidents là, ce sont des capos, comme parmi les juifs qui étaient dans les camps de concentration allemands là. Il y avait des gens qu'on mettait à la tête, eux ils pouvaient bien manger, eux et leur famille, pour surveiller les autres juifs. C'est la même chose qui se passe en Afrique. Vous allez nous menacer, les Américains se permettent de nous menacer, non menacer les dirigeants maliens, menacer ceci, cela. Mais vous êtes malades, vous êtes des malades mentaux. Vous vous croyez propriétaire de la planète, patron de l'humanité. Vous n'êtes rien d'autre que des psychopathes pédosatanistes, possédés par des entités maléfiques. Voilà pourquoi vous faites tout ce mal à l'humanité. Voilà pourquoi vous êtes en train de détruire la planète. Et vous vous mettez le masque des gens qui veulent sauver la planète, qui sont là pour le bien de l'humanité. Ces jeux-là, ça ne fonctionne plus. Ça ne marche même pas chez vous en Occident ici. Parce que tous les citoyens occidentaux conscients ont compris quel est le petit démon qui est à la tête de la France. Quels sont ces minables qui sont à l'Union européenne? Quels sont ces minables qui gouvernent les pays européens? La société civile européenne a compris. Vous pensez qu'avec vos médias aujourd'hui, vous êtes capable de manipuler le monde. C'est terminé. Personne ne croit plus à France 24. Personne ne croit plus à toutes vos bêtises de CNN, BBC. Personne ne les écoute. Ou manipuler Facebook, essayer de nous skermer, ça sert à rien. Les informations circulent dans toute l'Afrique et vous ne pouvez pas l'arrêter. En tout cas, je vous dis une chose très claire. Si vous tentez quoi que ce soit, je m'adresse au pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire Angleterre, États-Unis, au pouvoir, à l'élite française. Si vous tentez une opération militaire sur le sol africain, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Parce que nous n'allons pas arrêter la jeunesse. Moi, personnellement, je ne leur dirai pas de s'arrêter. Et vous allez voir comment vos ambassades seront mises à feu dans toute l'Afrique. Si vous ne croyez pas, essayez. Jusqu'aujourd'hui, nous disons aux jeunes, calmez-vous, nous pouvons résoudre ce problème-là de façon civile, sans violence. On n'a pas besoin de violence. La terre, là, c'est chez nous. Notre nom est notre force. Vous allez faire quoi? Vous allez descendre avec vos avions, tirer sur les Africains, les tuer, les bombarder? Ou bien vous allez empoisonner les cours d'eau comme vous avez fait aux Amériques pour tuer les Amérindiens, les exterminer? Aujourd'hui, nous avons les connaissances pour pouvoir déjouer tous vos plans. Et avec l'aide de certains partenaires stratégiques qui ont à cœur le bien-être de l'humanité, qui ont à cœur la dignité des peuples, comme la Russie, nous allons développer un partenariat qui va nous permettre de nous débarrasser de vous pour toujours. Je répète, c'est un avertissement clair que je vous donne. Si vous tentez une opération militaire au Niger, nous allons fermer toutes les ambassades de France en Afrique. Si vous ne croyez pas essayer, vous parlez les ONG, vos ONG vont quitter le Niger. Vos ONG sont au Congo. Hier, j'ai posté les images. Votre M23 en train de traquer nos populations, les tuer, les mettre dans des conditions, ils sont obligés de fuir les villages. Pourquoi? Parce que vous voulez balkaniser le Congo. Vous êtes en train de créer ce même problème au Cameroun entre anglophones et francophones. Il y a toujours, j'ai dit, nos ennemis endogènes sont nos premiers ennemis. Ils sont plus dangereux que les impérialismes. Parce que ce sont des indignes, des misérables, des inconscients, des psychopathes. Pour leur propre pouvoir, pour leur pouvoir égoïste. Ils enrôlent des idiots, des imbéciles, des inconscients qu'ils manipulent. Et entre nous, nous nous entretuons. Ils font le même schéma partout dans le monde. Mais chez nous, en Afrique particulièrement, jusqu'à maintenant, ça continue de fonctionner. Au Mali, nous l'avons arrêté. Au Burkina, nous l'avons arrêté. Et je profite ici pour dire à nos frères de la Côte d'Ivoire, sortez de cette logique-là. C'est cette logique que ces satanistes ont utilisée. Moi, j'étais là, j'observais tous leurs plans. Diviser les Ivoiriens.
Voilà les résultats aujourd'hui. Sur le cas du Sénégal, moi, Macky Sall, je n'ai pas de parole. Parce que ça me dépasse, non? C'est-à-dire, il n'y a pas plus minable que ce gars-là en Afrique. Il n'y en a pas. Ça n'a pas suffi. Prendre tout un gouvernement pour aller faire un conseil ministériel en France. C'est-à-dire, il va démontrer aux gens que je suis votre esclave fidèle. Je suis prêt à mourir pour vous. Ça n'a pas suffi tout ça. Il a osé dire que les tirailleurs sénégalais recevaient des goûters. Alors que tout le monde sait qu'à Tiaroy, on les a tués simplement pour ne pas leur donner le salaire qu'ils méritaient. Et pendant qu'eux touchaient trois fois moins qu'un soldat français. C'est-à-dire chaque trois mois, c'est qu'un tirailleur sénégalais prenait. Chaque trois mois, c'était... C'est con, quoi. Si on vous donne les chiffres, c'est con. Et il faut que nous soyons clairs. Nous, les pays africains, on ne pourra jamais rien faire de concret tant que ce franc CFA-là existe. Kadhafi a été tué pour ça. Il faut que nous arrivions à battre notre monnaie. Même s'il faut commencer pays par pays, il faut que nous faisons un premier pas dans ce sens. Et dans le discours historique, parce que j'ai écouté Ibe hier, il me semblait d'écouter Sankara. Voilà pourquoi j'ai dit sans hésitation, c'est la réincarnation de Sankara. Un autre Sankara est né en Afrique et au bon moment. Est né au bon moment en Afrique. L'autodétermination alimentaire. Ibe a remercié la Russie pour l'aide qu'ils sont en train de nous envoyer. Et il a été clair. À la prochaine réunion, nous ne viendrons pas ici pour demander à manger. Mettez-nous dans les conditions de pouvoir cultiver ce que nous voulons sur notre territoire. De manger ce que nous mangeons d'habitude. Non nous importer du riz de la Thaïlande ou de la Chine. Non. Le riz chinois, les Chinois n'ont qu'à le manger eux-mêmes. Nous, on va cultiver notre riz et le manger sur notre terre. C'est quoi ça? Ils sont là, ils nous menacent avec les mêmes jeux, là, leurs ONG, ce temple mondial du satanisme qui sont les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont aucune légitimité devant les peuples africains aujourd'hui. J'ai dit au gouvernement américain, en 240 années d'existence, vous êtes resté en guerre plus de 220 années. Vous avez détruit le monde entier. On ne peut pas citer vos guerres. On ne peut pas. Vous avez plus de 800 bases militaires dans le monde. Dans le pays où je suis en Italie, ici, vous avez plus de 100 bases militaires. C'est-à-dire que vous avez militairement occupé l'Italie. Si vous jouez avec nous, les Noirs, nos parents qui sont aux États-Unis, là, ce sont les descendants des esclaves, ceux qui sont aux États-Unis. Là. C'est les descendants de ceux que vous avez tenus en esclavage, traités comme des animaux pendant 400 ans. Et vous revenez sur notre continent aujourd'hui pour nous menacer. Vous osez nous menacer. Menacer les dirigeants maliens. Menacer les dirigeants nigériens. Au peuple du Niger, je vous dis, moi j'ai été très clair dans nos discussions privées. J'ai dit, nous déjà, nous nous exposons. Mais chaque Africain, l'autodétermination doit être d'abord individuelle. Chaque Nigérien doit comprendre les raisons pour lesquelles nous combattons. Comment ? Un pays qui a le pétrole, qui a l'uranium, qui a toutes les richesses, les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas à manger. Et vous dites que vous nous prêtez des milliards chaque année. Le trajet de cet argent, tout le monde connaît. Les minables, les psychopathes, les entités démoniaques qui sont assis, les gardiens des camps de concentration, on leur donne les petites miettes, ils prennent, ils mettent dans le compte chiffré ici dans les paradis fiscaux. Eux, leur famille et cette bourgeoisie-là, colonial vit bien. Les 99% du peuple africain est dans la faim, dans la misère, dans l'humiliation. Au point que nos enfants sont obligés de prendre des bateaux pour venir faire les esclaves des temps modernes ici en Occident. Et ce jeu que vous êtes en train de faire en essayant d'utiliser les Africains et les autres peuples du monde pour les déverser sur l'Occident, pour détruire l'économie occidentale, pour détruire le tissu social occidental, pour détruire la spiritualité occidentale, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Et j'ai dit à nos frères arabes, n'écoutez pas vos dirigeants là. Vos dirigeants sont des vendus. Sinon, un arabe n'a pas besoin d'immigrer. Un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Égyptien. Vous n'avez pas besoin de quitter votre terre. Vous êtes vachement riches. J'ai dit, vous êtes vachement riche. Vous n'avez pas besoin de quitter vos terres pour venir faire les esclaves ici en Europe.
Tout ça, c'est la faute de vos dirigeants. Le minable qui est assis à la tête de la Tunisie, il est en train d'endetter encore le peuple tunisien. Moi, je suis allé prendre, j'ai tout ici, toutes les dates économiques de la Tunisie. Mais j'ai eu mal à la tête en lisant ces cartes-là. Aujourd'hui, la grande partie des gens qui montent sur les bateaux pour venir vers l'Europe, ce sont des Arabes, ce n'est plus des Noirs. Pourquoi vos dirigeants ne peuvent pas vous mettre dans les mêmes conditions que Kadhafi avait mis les Libyens? On peut dire tout ce qu'on veut sur Kadhafi. Mais sous Kadhafi, nous avons vu dans quelle opulence, dans quelle dignité les Libyens vivaient par rapport à tous les peuples arabes. Tout ce que vous avez eu de bon a été assassiné. Qui a tué Nasser? Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique subsaharienne, même chez vous. À chaque fois qu'un bon dirigeant est sorti du lot pour essayer de donner dignité aux peuples arabes, ils l'ont tué. Ils ont commencé à tuer ici d'abord en Europe. Hein. Si vous étudiez l'histoire de l'Europe, vous allez voir combien de dirigeants européens ils ont assassinés ici. Quand vous allez regarder l'histoire de l'Amérique, vous allez voir combien de dirigeants américains ils ont assassinés. C'est-à-dire tous ceux qui ont tenté de travailler pour le bien-être de leur peuple sont éliminés par ces gens-là. Essayez de toucher à un poil du capitaine Ibé, du colonel Koïta ou d'un membre du gouvernement malien. Essayez de faire une opération militaire de n'importe quel genre sur le sol du Niger. Je vous jure que nous allons mettre à feu toutes vos ambassades. J'ai dit, je répète, nous allons mettre à feu toutes les ambassades américaines, françaises et anglaises en Afrique. Vous ne croyez pas? Essayez. Ce que vous avez vécu en Iran, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Essayez de poser des opérations militaires sur notre territoire. Nous allons détruire toutes vos ambassades, toutes vos multinationales. Nous, on est habitués à la faim. Ça fait combien de siècles que nous sommes dans la faim? On peut supporter la faim encore le temps de nous remettre sur pied. Essayez seulement par n'importe quel moyen de déstabiliser les pays africains. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Des bandits, des psychopathes, des criminels. Vos bêtises des ONG, droits de l'homme. Vous avez déjà respecté les droits de l'homme? Avec ce que les Français ont subi ces trois dernières années sous les yeux de toute l'humanité? Violence, arrêt, assassinat. Et ce maudit, cette maudite couronne d'Angleterre qui est derrière tout ça, ces dépravés mentaux du WEF comme Klaus Schwab et famille, ce malade mental de Bill Gates, tous ces fous de Balbec là qui sont là en train de... Ils se baladent, ils racontent des bêtises. Ça là, vous pouvez le faire en Occident. Si les peuples occidentaux ne sont pas capables de voir ce qui est en train de leur arriver, vous êtes libre de faire ce que vous voulez ici. Mais chez nous en Afrique, vous n'allez pas le faire. Et vous n'allez pas nous empêcher d'avoir des relations bilatérales avec la Russie ou avec n'importe quel pays du monde que nous voulons. Nous vous disons, dégagez avec vos bases de l'OTAN du Niger. Le terrorisme, vous l'avez créé. Tant que c'était moi qui le disais, vous pouvez dire, non, lui là, aujourd'hui c'est les dirigeants africains qui le disent. Les dirigeants maliens dignement l'ont dit aux yeux du monde entier. Les dirigeants burkinabés sont en train de le dire clairement. Ceux qui sont arrivés au pouvoir au Niger aujourd'hui sont en train de le répéter. J'ai dit à nos gens, à nos frères qui ont pris le pouvoir au Niger, ne vous laissez pas faire par ces gens-là. Parce que si vous le faites, vous allez finir dans la honte. Vous allez partir comme vous êtes arrivés. Mais si vous décidez de travailler pour la libération, pour la dignité du peuple du Niger, vous aurez toute l'Afrique, toute l'humanité derrière vous. Aujourd'hui, là, nous avons le support de toute la société civile occidentale parce qu'ils sont en train de voir la vérité. Moi, à la jeunesse sénégalaise, je vous ai dit, ce n'est pas la première fois depuis cette histoire de ce minable, cet indigne de Macky Sall a commencé. J'ai dit, il faut le dégager. Vous êtes resté là en train de tenter de jouer les démocrates, les trucs. Mais ça, c'est de la folie. Le Sénégal est une démocratie. Un pays où on ramasse tout un conseil ministériel pour aller faire en France. Vous appelez ça démocratie? Un pays qui est militairement occupé par une armée étrangère. Contre qui la France protège les gens au Sénégal? Contre les Maliens? Contre les Burkinabés? Contre les Ivoiriens? Réfléchissons un peu. Moi, dans mes discussions privées avec certains dirigeants sénégalais, je vois leur colère, leur indignation. Mais ils ont peur de parler.
Je vous dis, n'ayez plus peur. Aux militaires sénégalais, je suis en contact permanent avec certains militaires sénégalais. C'est moi-même qui suis obligé de leur dire, calmez-vous. Travaillez avec calme. Ils sont tellement indignés. Et Macky Sall sait qu'aujourd'hui, aucun marabout ne lui donnera le soutien. Les marabouts ont tout fait pour éviter le chaos au Sénégal. Mais ce minable-là n'a écouté personne. Il ne suit que ses maîtres. C'est une honte, cet homme est une honte. Cette chose, pas un homme, cette chose, cette entité démoniaque est une honte pour toute l'Afrique. Même les Occidentaux le regardent, ils sont dépassés. Au 21e siècle, un esclave, un nègre de salon, qui va même jusqu'à contredire les discours du jeune capitaine Ibé en Russie. Mais c'est une honte, ce monsieur. Nous avons fait ce que nous pouvons. Et nous sommes là sur pied pour supporter le peuple sénégalais. Mais vos responsabilités, vous devez les prendre vous-même. Je vous ai dit, c'est inutile de brûler, de casser. Si les militaires sortent pour vous taper, vous connaissez les familles des hauts dirigeants de l'armée qui sont derrière ça. Pas tous, ceux qui sont derrière ça. Occupez-vous de leur famille. Demain, ils vont réfléchir avant de donner ces ordres-là. Occupez-vous sérieusement de leur famille. Pas ceux, je dis ceux qui sont derrière Macky Sall, hein, pas tout le monde, parce qu'il y en a avec qui moi je parle. Qu'aujourd'hui, là, s'il y a la possibilité, ils vont faire dégager Macky Sall. Et Macky sait qu'il ne peut plus compter sur l'aide des marabouts. Les marabouts, tout ce qu'ils ont fait là, c'est pour tenir la paix dans le Sénégal. Mais ce minable a fait tout pour semer le chaos dans ce pays. On va arrêter Sonko parce qu'il a volé un cellulaire. La police derrière sa maison, on le traque comme si c'était un gangster. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Nous savons bien que c'est la France. Vous le savez tous. Il n'y a pas un Sénégalais qui ne le sait pas. Si on veut mener le combat, il faut qu'on le mène sérieusement et qu'on arrête de jouer les démocrates ou les conneries. Tout ça, ça va venir après. En ce moment, il s'agit de libérer le pays de ces voyous, de ces gangsters. Vous avez une seule voie à faire. Il faut prendre l'ambassade de France. Si 10 000, 20 000 Sénégalais entourent l'ambassade de France, on va voir si les Français oseront tirer sur les Sénégalais comme ils l'ont fait au Burkina, comme ils l'ont fait au Niger, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils l'ont fait partout en Afrique. Aujourd'hui, on va voir. Nous allons détruire toutes les ambassades de France dans toute l'Afrique. Nous allons tout brûler, tout casser. Si vous ne me croyez pas, essayez de tirer sur notre peuple. Essayez de tirer sur notre peuple. Nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Que l'Afrique, là, c'est pour nous, ce n'est pas pour vous. Je m'arrête là, non, parce que je ne veux pas... C'est-à-dire, je regarde des situations, je dis non, non, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Et nous ne devons pas attendre qu'on nous attaque avec des déclarations farfelues du département d'État américain. Je dis bien des déclarations farfelues. Les déclarations de merde du gouvernement français et de l'Union des nazis européens qui ne représentent pas les peuples européens. Aujourd'hui, il y a des Africains instruits qui ont décortiqué votre système, qui ont tout expliqué aux peuples africains et aux peuples du monde. Tout le monde a compris qui vous êtes, d'une maudite petite élite satanique qui tient l'humanité en esclavage. Vous envoyez les militaires aller combattre au nom de la France, de l'Italie. Mais ça, c'était avant que vous pouviez faire ces jeux-là. Les Italiens, les Français, les Allemands, ils ont compris que leur armée qui vont là, ils vont combattre pour les Rothschild, les Rockefeller, les Morgan, les Warburg, la maudite famille d'Angleterre, ceux qui veulent dominer l'humanité et la tenir en esclavage. Et aujourd'hui, ils sont allés même au-delà de ce paradigme darwinien là. Aujourd'hui, c'est l'essence de l'être humain qu'ils sont en train d'attaquer. Ils veulent attaquer notre DNA, ils veulent attaquer notre... C'est-à-dire, ils sont devenus tellement malades, ces gens, tellement possédés par Iblis, qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent plus compte de ce qu'ils font, c'est des êtres possédés. C'est toute l'humanité qui est en danger. C'est toute l'humanité qui est en danger. Et c'est toute l'humanité qui doit s'élever contre ces gens-là. Si nous ne le faisons pas, ils vont arriver à leur fin. Ils sont peu. Ils sont peu. Ils ne sont rien du tout.
moins d'1% de la société humaine, un petit, c'est-à-dire une atome dans un corps. Voilà ce qu'il représente. Et il tient toute l'humanité avec cette épée de Damoclès sur la tête. Nous ne pouvons plus accepter ça. Il faut que tous les peuples du monde se révoltent, et à commencer par les politiciens vendus, parce que partout dans le monde, c'est les politiciens qui sont au service de la banque qui vendent leur peuple. J'écoute les discours des dirigeants de la BCAO, on m'envoie des vidéos, je regarde, je dis, mais quel minable! Quel minable! Et ils sont là, les gros ventres, là, ils mettent des boubous, ils se prennent, vous n'êtes rien d'autre que des minables et des esclaves. Ce minable du Nigeria, ton pays attaqué par Boko Haram. Au Nigeria, il y a des dizaines de millions de Nigériens qui vivent dans la faim. La société, c'est-à-dire en immigration, les gens d'origine du Nigeria que nous voyons en immigration, ils sont combien? Partout dans le monde, tu les trouves en immigration. Partout. Vos filles sont obligées de faire les prostituées dans les grandes villes d'Europe pour survivre. Boko Haram que les services occidentaux ont créé sont en train de massacrer votre peuple. Au Nigeria, le même schéma, hein, de faire créer des extrémistes qui attaquent des chrétiens. C'est toujours le même schéma. Nous n'avons pas oublié la guerre du Biafra. Nous savons qui était derrière. Et un minable comme ça, la CDAO. Mais on va mettre à feu tout le bureau de la CDAO. Essayez de monter une opération contre le Niger. Vous allez voir. Moi, j'ai dit, les gens peuvent tourner à côté, faire des discours. Moi, je ne tourne pas. Et la jeunesse africaine n'est pas prête à tourner. C'est quoi ça? Vous venez chez nous, vous nous maltraitez, vous nous pillez, vous nous humiliez, vous obligez nos enfants à monter dans des bateaux de fortune. Ils meurent, la mer Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. Vous armez des groupes de terroristes, de gangsters qui terrorisent nos populations rurales. Vous utilisez des minables comme Kagame, des responsables du génocide au Rwanda, agents de la CIA. Ne me dites pas de parler aux dirigeants africains. Ce que vous-même vous savez là, vous, jeunesse normale africaine, ce que vous tous vous savez, ils savent. Ils savent. Ceux qui veulent faire le travail, ceux qui veulent lutter pour l'autodétermination, la libération, la dignité de l'humanité africaine, ils sont au travail. Le jeune capitaine Ibe nous l'a démontré hier. J'ai fait 27 minutes, je vais m'arrêter. Essayez seulement d'agir avec vos armées, vos ONG ou tous vos instruments en Afrique. Vous allez le regretter. Vous, je parle au département d'État américain. Ce pays qui a foutu le bordel dans le monde. Depuis 100 ans, vous êtes en train de détruire les peuples. Regardez ce que l'Irak est devenu aujourd'hui. Vous avez menti pour entrer en Irak. Vous avez menti pour entrer en Syrie. J'ai un de mes contacts qui est arrivé de la Syrie, une Française, qui m'a un peu raconté ce qui se passe là-bas. Elle a les larmes aux yeux quand elle m'explique ce que le peuple syrien est en train de subir. À cause de vous, ces malfrats. Vous avez détruit la Libye et vous continuez encore de tenter de la balkaniser, de la tenir dans le chaos. Vous avez massacré les gens au Vietnam, en Indochine. La guerre d'Algérie, nous ne l'avons pas oublié. Vous débarquez chez les gens et vous dites que c'est pour vous, c'est notre terre, la métropole. Les peuples français n'ont rien à voir. Ils ont été manipulés comme tous les peuples occidentaux. Même chez nous en Afrique, les gens manipulent les gens. Ça est sous nos yeux. Si ce n'est pas par la manipulation, comment des Africains, des frères peuvent se lever pour aller tuer d'autres Africains au nom de l'anglophonie ou de la francophonie? Ces malades mentaux du M23, comment ils font pour tuer leurs propres frères africains comme eux? Des minables comme les Bozizé, tout ce bordel-là. Des indignes comme le petit Déby. Le petit Déby peut être mon fils. Il peut être mon fils. Un misérable qui aujourd'hui le Tchad au bord d'une guerre civile à cause d'un petit bâtard misérable comme ça. Le talon qui se balade, ce nègre de salon qui se balade. Toi, talon, tu as mis tout le monde en prison au Bénin. Celui qui ouvre la bouche, il est en prison. Tu es en train de travailler pour les ennemis de l'Afrique et tu crois que tu vas te balader, quelqu'un te considère?
Vous vous baladez parce que vous êtes protégé. Hein? Vous faites votre cinéma devant la télévision. Mais la société civile africaine n'a aucun respect, aucune considération pour vous. Et la façon dont vous êtes là, vous allez partir de la même façon. J'ai dit, chaque phénomène humain a un début et une fin. C'est votre fin. Vous êtes des malades. Toi, le PTA Ademan, le Bongo, le Minab du Bénin, tous ces voyous, ces psychopathes, ces dictateurs-là, c'est comme un malade terminal. Vous êtes des... C'est-à-dire, c'est fini pour vous. Je sais que vous vous rendez bien compte de cela. La société africaine, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, là, ce n'est pas celle du passé. Et c'est ce que vos patrons occidentaux ne comprennent pas. J'ai dit, on peut tenir un peuple qui ne sait pas dans l'esclavage. Un peuple qui n'est pas conscient, on peut le tenir dans l'esclavage. La conscience qu'il y a aujourd'hui dans la jeunesse africaine, dans le monde entier, il n'y en a pas. Je ferme mon discours en vous disant, évitons la violence. On n'en a pas besoin. Si on nous attaque, on va se défendre. La non-violence, ça ne veut pas dire que je vais m'asseoir, tu vas venir détruire ma famille, tuer ma famille et je ne réagis pas. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Quand vous sortez au Sénégal pour manifester, allez devant l'ambassade de France. C'est la France qui est derrière Macky Sall. Ayez le courage de faire ça. Si maintenant les soldats tentent de vous tuer, là, ils tirent sur vous, là, vous mettez toute l'ambassade à feu. Et nous donnerons l'ordre d'attaquer les ambassades de France dans toute l'Afrique. Je dis et je l'assume ici devant le monde entier. Vous n'allez pas continuer à tenir notre peuple en esclavage. Ça là, c'est terminé. C'est fini ça. Bonne fin de semaine à tout le monde. Soyons courageux. Et sachez que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat-là. Et que toutes les bonnes âmes de cette planète-là sont avec nous. Ce n'est pas nous seulement qui sommes attaqués. C'est toute l'humanité qui est attaquée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons lancé un manifeste pour créer un cordon ombilical entre toutes les êtres humains de cette planète. Comme j'ai dit, l'humanité est une et indivisible. Et le monde est notre maison commune. La beauté de l'humanité, c'est notre diversité. Nous pouvons vivre tous ensemble en harmonie, en paix, dans un monde pacifié. Il y a à manger pour toute l'humanité. Mais plus de la moitié de l'humanité vit dans la faim, dans la pauvreté, dans le désarroi, dans la guerre, à cause de ces mêmes maudites élites. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a compris ça, on a compris l'essentiel. Le reste, là, ça vient seul. Bonne fin de semaine à tout le monde.